Salut tout le monde, c'est Vikang et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5, si je dis pas de bêtises, de Prison Architect. La dernière fois on s'était arrêté sur je ne sais plus quoi. J'ai un tout petit peu joué, genre même pas 2-3 minutes, le temps de découvrir un peu les nouveautés, car on est passé en Alpha 7. C'est plus la même version de jeu, il y a eu quelques petites modifications comme en haut, apparemment on est au jour 3. Je pensais qu'on était quand même plus avancé. Donc apparemment, les portes ne sont plus accessibles, par exemple, qu'aux employés et qu'aux ouvriers. C'est vraiment disponible selon un peu à tout le monde, j'ai l'impression. Donc j'espère que ça va pas trop créer de problème. Le déploiement, ça a pas changé. J'ai regardé un petit peu les nouveautés. Il n'y a pas eu des tonnes, mais il y a eu quelques trucs bien sympatoches. Donc il y a toujours des gars qui font des rondes. Il y en a dans le kitchen, dans le yard. Là, de toute façon, ils n'ont pas le droit de sortir ni de rentrer. Donc c'est plutôt bon à savoir. Bon, alors là, ils dorment avec des pavés noirs. Hein. Allez savoir pourquoi. Ils dorment avec des pavés noirs. Je sais pas. Petit bug de texture, sûrement. Bref, c'est l'heure du free time. Je vais avancer le chargement. Je voulais leur faire agrandir ces barrières pendant qu'il faisait nuit, tant qu'à faire. Donc, on va faire un truc de ce genre. Tac. On va agrandir tout ça. Voilà, nickel. On va agrandir tout ça et ça sera parfait, ça sera bien, je pense. Donc, dans bureaucratie, on a fait notre psychologue. On va faire maintenant le mec des. Qu'est-ce qu'on va faire? La maintenance. On va faire la maintenance. Donc alors, le psychologue. Psychologue, on le fout dans son bureau. Et voilà, on a un psychologue, on a notre contrat, 12 000 d'argent. C'est cool. Grâce au psychologue, je vais pouvoir maintenant savoir à peu près leurs besoins. Donc là, vous voyez que franchement, tout est ok. Juste la récréation. Il manque de récréation. Ça, c'est le yard de la récréation. C'est bizarre, hein, je pensais pas qu'il manquait de récréation, les petits gars. On va éclairer le yard parce que la nuit, c'est vraiment de la merde. Voilà, j'ai reçu mon argent, ça c'est cool à savoir. On va rajouter un petit peu de cabine téléphonique. On va en rajouter dans ce sens-là. On va mettre une, deux, trois. Ils pourront téléphoner. Et on va mettre ici aussi. Un, deux, trois. Voilà. On va même une t'en mettre dans les douches. Hein, on va mettre deux. Voilà, nickel. Donc pour le moment, c'est bien. Ils sont toujours en train de dormir, sans slip. Et pour le moment, ma prison peut accueillir 19 prisonniers, on en a 16, dont 2 qui présentent des hauts risques. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. On est dans des bons stades. Alors, accélère le temps. Ok, le régime, il y en a qui change. Un peu plus de yards plutôt. Un peu plus de yards, et je pense que ça serait parfait. Shower, free time, sleep. Non, franchement, c'est bien. On va leur mettre un peu plus, on va mettre un peu plus de free time. À partir de 6 h, c'est le free time. Ils dormiront moins, mais c'est pas grave. Parce que là, après, ils dorment trop. Ils viendront des gros porcs. Ok, on a fait notre pièce. Ça, c'est cool. On est en train de faire cette clôture. Faut mettre beaucoup plus de lumière, hein, les gens. Parce que là, c'est pas super bien éclairé. Ah! Non! Pas 2 ampoules par endroit! Une ampoule par endroit. On en met un peu partout et c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, on va enlever ces putains de barrières de merde une fois que ça sera fait. On va aussi se faire une deuxième office vu qu'il va falloir accueillir le chef de la maintenance. Donc on va se faire encore une office. Alors, cette fois-ci, je vérifie la taille. Là, c'est du 9 x 7. Alors autant qu'à faire, je crois que c'est le dernier. Non, il y a le mec. C'est pas le dernier, c'est pas le dernier. Donc on va pas prendre toute la place. On va faire un truc assez quand même. Ouais, allez, on va prendre toute la place. Oh non, on va prendre toute la place. On va faire un truc comme ça. Et hop, puis si, vas-y, on prend toute la place, c'est pas grave. On fera 2 bureaux. Si je peux, je mettrai 2 bureaux là-dedans. On verra. Juste avant, vous allez me démolir toute cette partie. Voilà, vous m'enlevez tout ça, ça. Et vous m'enlevez tout cet endroit. Voilà. Là, c'est normal que c'est rouge, c'est parce qu'ils peuvent pas l'installer vu que tout simplement c'est bloqué. Donc, par contre, vous êtes pas mongol, les gars, vous enlevez d'abord le grillage avant de construire ça, si possible. Ça serait quand même plus judicieux. Une petite porte. Tac. Oh, la porte. Voilà, nickel. Bon, ils se démerdent plutôt pas mal. Ils sont toujours en train de dormir, les gens? Putain, mais oh là, ils dorment toujours, hein, c'est vraiment des gros porcs. Cette lettre du vieux, on la délète, on s'en fout. Bientôt les nouveaux prisonniers vont arriver, il va falloir leur faire de nouvelles cellules, je pense, parce que
Ils vont commencer à être nombreux. Putain, ils foutent leurs pieds dégueulasses, ces gardes. Hein. C'est vraiment des gros porcs. On va recruter un garde en plus. Moi, je vous propose de recruter deux gardes en plus. Vu qu'on va avoir de la compagnie d'ici peu. Bureaucratie. Ah, ben ça y est, il est fait. Donc, on va recruter un mec qui fait le ménage, tant qu'à faire. Stade Fireman, on va l'acheter bientôt. On attend qu'il finisse la salle. Bureaucratie, c'est bon. C'était dans. Qu'est-ce que je cherchais? Dans. Oh, déploiement que je cherchais. Donc j'ai deux gardes à ma disposition. Donc on va les laisser à peu près. Zoner. Hein, on va les laisser zoner nos gardes. On verra bien. Comment ça se passe après? Les solitaries, c'est plutôt bien. Voilà, il y a des portes, c'est cool. C'est un peu grand l'infirmerie quand même. C'est un peu grand. On va améliorer nos routes. Et qu'est-ce que vous pensez de mettre du gazon? Ça rendrait vachement mieux vu que là j'ai un peu de budget. Ça rendrait quand même vachement mieux de foutre du gazon. Donc moi je dis un peu de gazon. On a du budget, on se fait plaisir. On est comme ça. Donc là il y a des routes un peu bizarres, hein, je vous l'accorde. Là on va mettre la route jusqu'à là. Même jusqu'à là. Voilà. Oui je vais me foutre des routes, hein, ça va pas rendre super. Par contre ça, tu me mets des murs. T'es gentil, t'es mignon, mais tu mets des murs. Ici, on met une office, donc c'est 4x4. Donc 4. 4x4, voilà, ce serait comme ça 4x4 en fait. Si je mets 5x5, il y a encore une office là. Ah, ça rentre de pas beaucoup, hein. Là, est-ce qu'elle rentre l'office? Ouais, c'est bon là. Elle est suffisante l'office, je crois. Attendez, on va l'enlever. On a 4x5, ben, c'est parfait. On met un mur ici, un mur là. Aïe. Avec une petite porte pour changer, parce qu'il a marre que je foute les portes dans ces bâtiments. On va foutre une porte là. Et on va pouvoir meubler. Alors comment on meuble déjà? C'est une chaise. Ah, vous pouvez pas savoir le bien que ça fait de rejouer à Prison Architect. J'y avais pas joué depuis un petit moment, parce qu'en fait j'y joue que quand je fais des vidéos. Ce qui paraît logique. Enfin, non, je pourrais faire d'autres parties, vous allez me dire, mais moi j'y joue que pour faire des vidéos. Donc ça me manquait, je voulais tellement faire ce jeu, j'étais ah j'en manque. Donc là, ça me fait plaisir d'y jouer. Le petit truc du bureau. Je sais pas pourquoi j'ai pas placé les deux en même temps. Ça aurait été beaucoup plus simple. Que je me rende pas de compte que j'ai fait une connerie, parce que je suis encore ragé si j'ai fait une connerie. Vite, l'office desk. Voilà. Donc construisez. Oh, c'est tout joli. Ils nous ont mis du gazon. Mais c'est joli comme ça. Il y en a qui se lavent. Eux, ils rouvrent les portes maintenant. Vous voyez leur tête, il y a quand même pas mal de skins hein, différents. Il y a eu des skins qui ont changé, j'ai l'impression. Donc le détecteur à métaux, on en a toujours pas mal. Faudra leur mettre des livres. Hein. Vu que là, j'ai plus trop de budget. J'ai fait, je crois, tous mes contrats. Donc j'ai plus que 3000 de budget dans ma prison. Ce qui est net, ce qui est vraiment peu. On va passer aux livres. Alors, ça coûte 30$. Parce que vous voulez une télé, ça coûte quand même. Eux, tu vois, c'est vraiment le club qui ont les moyens, quoi. Ils en coûtent 200, quoi. Donc je vais leur mettre des livres. Et il y a intérêt, hein, franchement, il y a intérêt qu'ils soient contents, parce que des livres, c'est très bien les livres. Allez, on leur met des livres. Je sais qu'il y en a qui vont pleurer, mais c'est pas grave. Ici, je vais agrandir après, vous inquiétez pas, je vais pas laisser ça comme ça, hein, c'est dégueulasse. Là, il y a une route, je sais pas pourquoi il y a une route, mais c'est pas grave. Parfait, les ouvriers, ils sont en train de les escorter, les tout nouveaux prisonniers. Donc, hop, 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 on escorte tout le monde, stationnette. C'est quoi son lui, son pseudo? Brirpoil, ok. Oh, le pseudo de gagnant. Winner. Winner, le gars il s'appelle. Attendez, il est où, Winner? Winner, Winner. Prisonnier Winner. Ah, c'est lui. Il s'appelle Winner, le mec. Je crois qu'il y a deux N, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a des gars qui avaient des trucs à métaux. Donc ça, c'est pas grave. On les fout dans les holding cells. Et ouais, il y a bientôt plus de place. Donc là, c'est le free time, vous voyez. Lui, le mec a des lunettes de soleil. On voit vraiment que lui, c'est vraiment le boss, le street. Faut pas le faire chier. C'est ce big boss, voilà. Toi, on te respecte, hein. Tu les fous tous à l'amende. Ok, l'office, j'ai pas foutu de porte ici. Ça sert à rien, vous allez me dire, mais c'est plus joli. Parce que imaginez que lui, il aime pas lui, il va avoir sa sale gueule, ça va être moche. Le fireman, il coûte 1000! 1000! Putain, c'est cher! Mais bon, faut le faire, hein, donc c'est bon, on l'a fait. Ok. Donc, pour le moment, ça va. J'ai plutôt bien géré ma prison, elle est plutôt assez grande. Les douches, j'aime pas trop. Le seul bâtiment qui me chiffonne, c'est ce bâtiment. Je trouve qu'il a une sale gueule, en fait. Je sais pas. Je trouve qu'il a une sale gueule. Donc, j'ai plus trop de budget pour agrandir tout ça de lit. Je vais peut-être attendre qu'elle soit minuit.
Pour le moment, on va un petit peu observer les prisonniers, vu que j'ai plus trop de budget et je sais pas trop dans quoi le mettre le budget. Ok, attendez. L'électricité, on en est où? Ouais, ça va. Va falloir éclairer, je pense, ici. Il y aura peut-être pas assez d'électricité. Si, quoique si, ça passe, hein. Ça passe. Sauf qu'on va rajouter des câbles, au cas où. Donc allez, installez tout le bureau! Installez le bureau! Par contre, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une vieille tache dégueulasse sur le sol? Non, mais en fait, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lui, le garde, il prend une douche. Ah ouais, c'est ça. En fait, maintenant, les gardes, ils leur ouvrent les portes, en fait. Ils ont des petites clés. Comme ça, c'est eux qui s'occupent du transfert. Lui, j'ai bien fait de le foutre là, vous voyez. Lui, en fait, c'est un peu le garde déploiement. Lui, en fait, c'est le mec qui est chargé de la sécurité des portes, voilà. C'est la classe, ça. C'est la classe. Donc maintenant, j'ai découvert qu'il y a un nouveau bouton. C'est le bouton Lockdown, vous allez voir. Émergence. Ça brande, je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un s'y connaît un petit peu, à présent, architecte Alpha 7, il me le dira. Dans les commentaires, c'est gentil. Un in Lockdown? Il y en a un dans le Lockdown? Mais qu'est-ce que ce bordel? Un in Lockdown? Vous voyez, si je fais lockdown, lockdown! Et toutes les portes se verrouillent en fait. Donc ça sert pour que les gens ils s'évadent pas ou je sais pas quoi. Bon, je vais désactiver lockdown. Par contre, accident report. Ils ont faim! Ils ont faim! Attendez, le need. Ils ont faim, ils veulent se laver? Il est quelle heure? Ça va les gars, oh! Vous vous calmez là, vous allez manger, voilà. Attendez. Moi, chacun dans cette prison d'esclavagistes. Moi, j'ai 1 heure! Bon bah encore 1 heure, ils vont pouvoir gueuler. Par contre ils me saoulent à gueuler. Il faudrait que je rajoute une garde peut-être dans le yard, je sais pas. Faut leur mettre des trucs, hein. Faut leur mettre des jeux, des... Ils s'amusent même pas au muscu, c'est que des gros porcs que j'ai. On va leur mettre une table de billard. Hein. Pourquoi pas leur mettre un petit arbre aussi. C'est gratuit les arbres. C'est gratuit. Mais cool. On va mettre un petit arbre. Ça sera toujours plus joli. Donc le mec va arriver avec un arbre à la main, il va l'installer. Ça va les gars, vous allez manger. Arrêtez de vous exciter là. Voilà. C'est chiant. Voilà, nickel, nickel, il me reste que 1000 de budget, faut que je le garde au casier des révoltes quand même. Ok, c'est l'heure de la bouffe, rendez-moi ça. Ouais, oh, le premier c'est Catenland, suivi de barrières, suivi de Stubbs. Allez, 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 les gros porcs, ouais. On est chaud patate. Ah, les cuisiniers ont bien travaillé. Par contre, ils sont que deux en cuisine. Qu'est-ce que vous pensez d'agrandir le budget des cuisines? Allez, rentre-toi. Tout le monde se sert, allez, servez-vous. Aujourd'hui, c'est épinard, je crois, à la cantine. Là, qui bouffe devant la télé. Alors, lui, il bouffe sur la télé. Hein. Lui, c'est un boss. Like boss. Alors, eux, lui, il a pas d'amis. Il bouffe tout seul. Non, sinon, ça va. On le rejoint. Voilà, donc, ils mangent tous. Ils sont contents. Toi, tu te barres pas, eh, oh. Par contre, il y a des gens, ils sont des détecteurs de métaux, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Bon, alors, eux, lui, c'est trop un fou, quoi. Ils se barrent. Par contre, les gardes dans le storage, ça sert à rien. Donc, sors de là. Sors de là. Est-ce que j'ai assez de budget pour agrandir? Qu'est-ce qu'on va faire comme travaux? Je réfléchis, parce qu'il faut pas que je fasse un truc trop coûteux pour qu'après ce soit la merde. Donc là, ils se lavent, c'est super. Excusez-moi, je vais éternuer. Ah bah non, c'est bon. Alors attendez. Putain, j'ai envie d'éternuer. On va agrandir ici. Alors... D'un côté, on va agrandir jusqu'à là, mais ça coûte trop cher. Je n'ai pas assez. J'ai que 1560 dans la banque. Donc pour le moment, on va pas agrandir. On va rajouter des lits. Voilà ce qu'on va faire. On va... Ah tiens, j'ai un lit gratuit, donc on va ajouter des lits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oh, j'ai plus assez. Alors, on en met un là et un là. Comme ça, c'est un nombre pair. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai pas assez. C'est pas grave. Excusez-moi. Alors... donc là, ça, on va mettre des lits, comme ça ils prennent plus dormir, on va plus les accueillir. On a combien de prisonniers? On va regarder. On est à 24 sur 19, donc c'est trop, hein. On a trop de prisonniers. Là encore, ils gueulent, attendez, putain, oh. Et je pense que les mecs gueulent, ils veulent de l'hygiène. Mais ils se lavent à quelle heure dans cette prison? Ils se lavent à 6 heures. Ça va, vous l'avez dans 2 heures, vous allez pas faire chier. Par contre, les mecs qui gueulent, attendez, on va aller les fouiller. Excusez-moi. Putain, plus jamais de vidéo quand je suis malade. Hein. On va aller les fouiller, comme ça, ils vont fermer leur gueule, voilà. Hop, on te plaque, cache en plaque, quoi. Ça les calme direct. Voilà. Alors, attendez, je fais une petite pause, parce que là, faut que j'aille me moucher ou je sais pas, je reviens. Donc, re tout le monde, ça y est, j'ai pris ce qu'il fallait faire, là, ça va déjà un peu mieux. Parce que je sais pas pourquoi je suis un peu malade. Donc là, ils sont tous serrés comme des ânes, là. Pourquoi c'est tous serrés? Là, il y a nos petits bureaux. Ok, c'est cool, il y a les bureaux. Lui, il se tape un bureau à lui tout seul. Hein.
paye ton bonhomme. J'ai plus d'argent. C'est vraiment la crise de chez la crise. Arrêtez de gueuler. C'est toujours les mêmes qui gueulent. C'est les mecs qui sont dans les prisons à forte. Ah ouais, j'ai une idée. Attendez. J'ai 4 mètres à risque. Ben voilà, les mecs ont des hauts risques. On va dire que. Bon, c'est un peu bizarre mon raisonnement, mais bon. On va dire que vu que c'est eux qui ont tendance à créer des révoltes, on va leur faire plaisir, on va leur donner les télés. Alors, comme ça, ils seront franchement logés aux télés. C'est dans. Comment sait comment c'est où déjà? C'est dans déploiement. Donc, les gars qui ont des. Ah ben non, on peut pas. C'est carrément une zone. Merde. Je vais faire des quartiers VIP, peut-être plus tard. On va démonter les télés ici. On va toutes les démonter. On va foutre des livres. Et on va faire un quartier VIP là. Un petit quartier VIP. Ça pourrait être sympa. Alors on va accélérer le temps. Parce que pour le moment, vu que j'ai pas d'argent, il se passe pas grand chose. Ah! Il s'est passé quoi là? Les gars? Pourquoi vous les avez tous menottés? Mais pourquoi vous les avez tous menottés, les gars? Ils gueulaient, c'est ça? Non. C'est quoi ce bordel? J'ai fait un truc de mal? Ah d'accord, c'est parce que j'ai cliqué dans masse, dans j'ai cliqué dans la sécurité max et du coup bah ils vont les reloger en fait. D'accord. Un peu désolé hein, parce que là je les ai complètement niqués lors de la douche. À cause de moi ils vont pas pouvoir les doucher. Donc est-ce que après ils bouffent, ils ont du free time. Putain les pauvres, j'ai niqué leur douche. Oh, ils devaient être taille de deg. Non c'est pas grave. Ils vont se bouger les gardes. Alors eux, alors les gardes qui l'ont foutu ici parce que c'est l'heure de la pause, hein, je sais pas. Lui il de la télé, lui il nettoie des assiettes complètement dégueulasses. Va falloir qu'on rajoute peut-être des cuistots et on va peut-être virer des mecs. On va en virer un petit peu des workmen. Pour le moment je m'en sers pas. Donc on va les virer. Staff virer et virer. Plus que 4. Ça fera largement l'affaire. Mais largement. Arrêtez de tous les menotter, s'il vous plaît. Arrêtez de les menotter. Allez, sort de la bouffe. Voilà, allez vous servir. Quoi? Il y a presque rien à manger. Ah, si, ça y est, ça arrive. Hop, hop, hop. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Bientôt, la fin de la nuit, on va pouvoir acheter des nouveaux outils, des nouveaux trucs. Alors, allez, allez, servez-vous. Prenez à manger. Il y en a pour tout le monde. Vous battez pas. Ouais, là en fait, faut qu'un garde vienne l'ouvrir par contre. Donc ça va, le garde est pas con, il vient l'ouvrir, il est sympa. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, il mange tranquille. Ils vont pouvoir aller se laver, hein, parce que depuis tout à l'heure, ils nous font chier pour se laver. Hein, donc j'en ai la barre, hein. Épisode un peu calme hein, cette fois-ci, vu que j'ai pas forcément. Vous l'avez laissé tout seul, lui! Oh! Allez le chercher! Allez le chercher, le gros lard là. Il veut la cave, il a faim en plus. Je sais pas, allez les. Putain, les gardes, c'est vraiment des chômeurs. Un janitor, ça coûte 500, mais au moins ça balaye la cour. J'ai pas le budget pour un janitor. Non, lâche le janitor. J'ai plus de budget. J'ai dépensé vite mon budget quand même, hein. J'ai plus de contrat. Ma prison vaut 956 dollars. Comment ça? J'ai moins de 2000. Alors, les gardes, les workmen. Putain, ça coûte vachement cher le personnel, hein, quand même, hein. 1000 les gardes, ça coûte par jour. Non, putain, enfin pas par jour, mais en tout accumulé. Oh, ça fait cher, hein, une prison. Hé, c'est dur. Donc là, faudra voir plus tard pourquoi ils dorment avec des plaques noires. Ça, c'est pas normal, c'est dans mes graphiques. Dans mes graphismes, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Allez, allez, dans 2 heures, c'est enfin le moment où on pourra savoir enfin mon fric. Les gardes, on va juste en foutre un ici. On va foutre un là, donc sors ta baraque, là, espèce de gros lard. Allez, tu sors. Et le reste, on le laisse. Allez, bientôt. Donc là, ils dorment tous comme des porcs, à part lui qui a une putain de tête de pédophile, lui. Il a pas fait de la pédophilie, lui, par hasard? Bolton, 51 ans. On peut choisir leur régime quand même. Tiens, vu que toi, t'as une tête de pédophile, tu vas être dans la sécurité. Putain, c'est bizarre ça. On peut leur choisir leur risque. Allez, tiens-toi. On va te foutre en rouge parce que t'as une tête de pédophile et je t'aime pas. Voilà. Allez, plus que 20 minutes et c'est bon. Ah ouais, quand ils sont stationnés, c'est qu'en fait, ils ont fait le déploiement. Voilà. D'accord. On peut pas appeler les pompiers, on n'est pas des trolls. Ok, attention. Plus de 30 minutes. Là, les gardes, ils font leur ronde. Je voudrais leur mettre des portes quand même, mais ça coûte trop cher. Y a pas assez d'argent dans la prison d'architecte. On n'a pas assez d'argent. Déjà.
agrandir tout ça, ça coûte super cher, ça coûte la peau du cul, on n'a plus d'argent. Ah! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du cash! On a gagné, putain, avec toutes les taxes, on a quasiment rien gagné. Mais on a eu 1000, on a 1000$. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec 1000$, hein? Ça, je me le demande. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode de Prison Architecte. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt tout le monde. N'hésitez pas à me suivre. Allez, salut tout le monde, c'était Vigan. Il y a des prisonniers, c'est ça? C'est pour ça qu'ils ont peur? Ah d'accord, ils sont enfermés eux-mêmes, d'accord. Le truc super intelligent, hein, ça fait... Allez les gars, on fait un bâtiment, ouais! Et mais attendez, on est enfermés? Merde!